courir ensemble. En fait, l'idée au départ est de réunir à travers une activité sportive les personnes valides, les personnes handicapées, pour démontrer aux uns et aux autres que l'on peut faire les mêmes choses ensemble, dans les mêmes conditions, quelles que soient les différences des uns et des autres. On est venu participer à la marche de 5 mètres. Non, pas 5 mètres, 5 kilomètres. 5 kilomètres. Je vais soutenir cette course Handicap International et les organisateurs de la course pour deux raisons. D'abord pour le handicap, parce qu'il faut que chacun soit conscient que déjà ça peut arriver à tout le monde et que c'est une cause internationale. Et puis pour le sport, parce que le sport en général, on ne voit ça que par les matchs et l'argent, mais le sport c'est d'abord des grands moments de solidarité comme celui-ci. Et c'est cette image du sport, moi, que j'entends développer. On sait que l'image des personnes en situation de handicap en France est encore pleine de préjugés, qu'il y a énormément de discrimination. Et donc, participer, assister et en amont organiser ce type d'événement tend à faire tomber ce type de barrière. Le Handicap International fait un travail extraordinaire sur le terrain pour appareiller les enfants. Moi qui suis une personne amputée des quatre membres, quand on parle d'un enfant qui a sauté sur une mine antipersonnelle à cause de la bêtise des adultes, ben moi ça me parle. On a vu sur ces différentes courses des valides qui poussaient des personnes en situation de handicap et tous ensemble derrière la ligne de départ, tous ensemble sur la même course. Je crois que on a vraiment besoin de ça dans le sport. On gomme les différences. On est tous des êtres humains, que ce soit la couleur de peau, la politique, la religion ou le handicap, on est tous pareils, on vit tous sur la même planète. C'est vraiment un message de fraternité et de solidarité qu'on cherche à dégager. Il n'y a pas seulement ce qui se passe à la télé, la réalité des choses c'est sur le terrain. Il faut venir dans des manifestations comme ça et se rendre compte qu'il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de générosité en France. Malgré ce qu'on veut nous faire voir, il y a beaucoup, beaucoup de générosité. Merci à tous, merci beaucoup. Kilomètres, wouh, ça c'est accro.